C'est Un Storycraft! Hey, salut donc à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. On se retrouve pour reprendre cette série que nous avons laissée. Nous avons laissé sans son d'ailleurs. C'est un peu mieux. Là, 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 là. Et on se retrouve, ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. On a pas mal de minerais sur nous. Voilà, boum! Et on va recréer l'accès à la maison. Avec cet arbre typiquement moche d'ailleurs. Je pense qu'il faut le rappeler. Oh, il y a un petit chat. Oh, il y a un petit chat mignon là-bas. Ah, c'est une femelle en plus. Ou un mâle stérile. Je ferai pas de cours sur les chats. Wow, t'es un chat vénère quand même. Ouais, la crève. C'est le chat. Alors, donc on se retrouve, on va faire quelques trucs cool, du moins j'espère. Mais avant, il faut se débarrasser d'un arbre. Mais c'est pas des arbres comme ça qu'il y a là-bas. Je crois que c'est un arbre super rare en plus que je. Super rare et moche, il faut le dire. Il faut le dire, il faut le dire. Bon, on va réparer notre arbre super rare et super moche avec de l'arbre pas rare du tout, disponible dans Vanilla et totalement magnifique. Achèvement guide, getting wood. C'est intéressant. C'est beau hein, de devoir initialiser son Minecraft pour se rejoindre dans ses folies unstorycraftiennes. Voilà. Bon alors, sinon j'espère que vous allez bien, hein, parce qu'il faut quand même demander, c'est important. Et un peu de blabla aujourd'hui sur cet épisode, parce que j'aimerais savoir votre avis sur la série. Faites péter les avis constructifs et longs et intéressants et tout ça, tout ça. Parce que je suis en train de me dire quand même que cette série, bien que moi je m'éclate à la tourner, j'ai peur qu'elle tourne un petit peu en rond. Et donc, ce que je veux, moi, les suites de cet épisode de votre côté, c'est baisser la musique. La musique est trop forte. Voilà, c'est deux choses. Des avis construits et développés. De la pluie, non, c'est pas ça que je voulais. Et si ceux qui sont réellement pour le fait qu'on continue cette série, eh bien tout simplement des idées pour la suite, etc., etc. Parce que j'ai demandé un peu sur Twitter avant-hier, ou avant-hier, je sais plus exactement. Enfin, en gros, à l'heure qu'il est, on est le 2 au soir, le 2 mars 2013 au soir. Et j'ai dû demander ça. 3 jours, on s'en fout en fait, hein. Ça change rien de savoir si je l'ai demandé un mercredi, un jeudi, un vendredi ou un sliggy. Le sliggy étant un jour entre le slaga et le jeudi, mais le slaga que vous ne connaissez pas parce qu'il est entre le mercredi et le sliggy. Enfin bref, on peut passer. Je suis sûr qu'il y a une incohérence en plus dans la phrase que je vais vous balancer. Mais bon, nécro orb. Pardon, j'aime vraiment ce truc, cet item. Ça ne choque personne? Vous n'êtes pas choqué? Moi si. Vas-y, on va faire les gens pas choqués. On n'est pas choqués. Me dites pas que j'en ai pris pile assez. Ah non, me le dites pas parce que c'est faux. Hop. Ah bah si, si c'est vrai. Attendez, faut récupérer celui-là. Mais ça va devenir vrai. Attention. Attention, ça va aller très vite, il va falloir suivre. Ouh. Tac. On prend ça, on met ça. Tac, 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 tac. Tac. Oh, 360 posé. Hop, hop. Boum, boum. Tic, tic, touc, tic, touc, tic. Bam, bam. Hop. Non. Là. Hop. Hop là. Et donc là, normalement, on a assez d'échelles. Non, on casse celle-ci, ni vu ni connu. Je t'en brouille. Et voilà, on a assez d'échelles. Pour fêter ça, destruction du cochon! Ah, t'es tombé. Boum, boum.
Il est où mon friendly creeper? Je crois qu'il dort chez moi. Ou peut-être qu'il est mort et que je m'en rappelle absolument pas. Creepy! Alors, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte. Tic, tic, tic. C'est beau ici. Non, je te calme. On arrive et on se rend dans notre petite maison d'infortune. Quoique, elle est classe la baraque. On fait une petite sieste, ni vu ni connu, je t'embrouille. Voilà, et le ciel redevient beau. Tout de suite! Puissance. On pose nos minerais. Rien d'intéressant là-dedans. On prend ceci. Nécro-orbe, tu restes ici. Et on va prendre du bois. Voilà. Et on va se barrer avec une deuxième pioche et une hache. Deux haches, allez, et qu'on va fusionner. Ça a aucune utilité réelle, mais on va le faire quand même. Ah oui. Et la table de craft, on n'en a pas ici. Tiens, on n'a pas de table de craft en haut. Bizarre. Bon, bah écoute. Ah bah si, je suis con. Allez, ici. Voilà. Et voilà, on se fait deux petits bouts. Et puis, on saute par la fenêtre. Là, 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 là. Est-ce que réellement, je suis dans la capacité de sauter. Oh, je suis dans la capacité de sauter par la fenêtre. J'ai quand même réalisé il y a peu de temps que j'avais fait. Ok, il y a un bateau qui se barre. Oh, des petits sangliers. Oh, du petit cheval. Ça va, petit? Oui. Tu veux titiller mon arme? Oh, c'est vraiment des cochons sauvages en fait. Hein. C'est pas des sangliers, c'est des espèces de cochons sauvages qui me rapportent de la bouffe. Saute, 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 saute. Ça va mon beau. J'ai pas de pommes pour toi. Et je crois que tu te nourris de pommes. Montre. T'as une pastèque dans la bouche? J'ai vu une pastèque. Ouvre la bouche. Ah. Ah. Ouvre la bouche. Mulan. Mulan. Oh, c'est bois. Oh oui. Tiens, caresse. Allez, on peut se barrer. Tiens, mange ce lapin, il est pour toi. Ah, il est plus pour personne. Là là là. Donc on était en train de faire notre expédition en bateau. Il y a un serpent. Serre. Oh, il est trop beau. Il sait nager. Il sait même léviter. Ça c'est du niveau, ça c'est fou. Bon allez, on part à l'aventure, tout ça. Et on ne sait pas si on va revenir un jour. Moi, je sais pas si je vais revenir un jour. Allez, go. J'aimerais bien trouver une structure. Oh, une structure. Ouais, ça paraît bizarre. Vous aussi, vous sentez l'arnaque, hein. On peut pas dire, oh, j'aimerais bien trouver une structure. Et, oh, une structure. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Je crois que je vais y mourir, hein, de cette structure. C'est pour le bien de l'équipe. En tout cas, elle est mal éclairée. Non, non, c'est pas possible. Ah, Katy Perry nue sur la plage. Ah, oui, ça marche pas. Ça marche que pour les trucs pourris. C'est fort dommage. Hein. Je suis assez déçu. Bon, cette structure m'a pas l'air parfaite. C'est pas la structure de mes rêves. Prochaine émission de télé-réalité d'M6. Trouve la structure de tes rêves! Ah non, pardon, ça existe déjà, c'est déco. Je sais pas ce qui m'a pris. Ah, d'autres pommes. Ah, d'autres pommes. Donc, si les chevaux mangent des pommes,
Sachant que cheval mignon là, il est pas mort. Ou pardon. Option. Oh, non, peaceful. Je me disais aussi, il n'y a aucun blaze qui spawn. C'est honteux. Je m'excuse. Ça fait partie des trucs que je vérifie habituellement. Faut croire que nous ne sommes pas habituellement. Y a rien en haut, ce serait illogique. Heureusement que je ne me suis pas mis ici. Il est où le bateau? Il est où? Il est où le bateau? Ah, je préfère. Plouf. On prend la pomme dans l'inventaire et on va retourner voir notre petit copain. Enfin, notre petit. Non, je ne suis pas de ce bord. Rassurez-vous. Qu'est-ce que ça changerait? Mais je ne suis pas de ce bord. Hein, mais enfin, je ne suis ni zoophile d'ailleurs. Rappelons-le, c'est quand même un cheval. C'est même un chevau, hein, parce qu'il est bien gros. Et je pense qu'il y a une limite de poids quand même pour s'appeler cheval. C'est comme les gens obèses. On dit un obèse. Mais si on veut parler de lui sans dire obèse, on peut dire une personne et mettre un S. Mais ça, peu de gens sont au courant. Et parce qu'il y en a qui disent que c'est malvenu. Malvenu, je sais pas, mais venu quand même. Alors que l'obèse, lui, il vient pas tout le temps. Non, c'est méchant. C'est de la méchanceté gratuite. Je plaisante. C'est de l'humour, évidemment. Hein, j'aime les obèses, à part quand je suis au resto avec eux. C'est horrible. Je suis honteux. À votre place, je m'applaudirais. Non, non, je me huerais. Comme le cheval. Tu restes. Ouais, je me disais aussi, il allait pas partir à l'infini, genre je suis un mec libre. Ok, oh, hey. Tinky Winky. Tinky Winky. Oh oui, Tinky Winky. Tinky Winky, tu t'appelles plus Tinky Winky. Choose your pet name. Oh. Paul. Tu vas pas t'appeler Pinky Winky. Tu vas t'appeler Pastèque. Je sais pas s'il y a un accent à pastèque, ça me stresse. Je suis un cheval. Ah, c'est trop long. Je suis un âne. Cheval, je suis. Lol. Non. Pouce vert. Pouce vert brun. Vu qu'il est brun. J'aime bien les pouces verts. Oh oui, pouce vert brun. Ah oh, oui. Oh, tu es beau, pouce vert brun. Oh, t'es trop mignon, pouce vert brun. Bon alors, pouce vert brun, je reviens, tu m'attends. Je pense qu'avec une selle, je vais pouvoir te chaler chez mon cochon. Tu me suis là? Tiens, t'as faim? Ah non, t'as pas faim, ta barre de vie, elle est full. Pouce vert brun! Il y a un deuxième pouce vert brun. Pouce vert brun. Pouce vert brun 2. Non, bah non, tu vas t'appeler pouce vert brun tout court aussi. Tu veux être adopté toi aussi? Pouce vert gris. J'aimerais bien un lapin. Ah, il n'aimait pas les pommes. Ah, oh, si, il aimait les pommes. Oh, oh, pouce vert blanc, il est trop mignon. Oh, viens, pouce vert blanc, on reste ensemble. Tu sais monter une échelle? Viens, pouce vert blanc. Oh oui, mon bébé. Je vais te présenter à ta nouvelle maison. T'es le seul qui peut monter, mais en restant sur ma tête et en faisant des trucs de pouce vert blanc, quoi. Je ne sais pas. Ah, tu me gâches la vue, par contre. Non, parce que j'aime bien mater tes fesses, il n'y a pas de souci. J'aime bien tes petites papates trop roses, hein, il n'y a pas de souci non plus. Mais quand même, à un moment, il faut arrêter. Oh, je peux te faire passer à travers une vitre? Ah, je peux te tuer. Ah bon. On va se manger un petit truc, hein. Bon app. T'as faim, pouce vert blanc? Pouce vert blanc, monte. Voilà.
Ah, des pommes. Et il me faut la saddle. Ah, bah elle était là. La selle. Ah, la saddle 2. Je me disais bien. Allez, direction pour... Oh, attendez, on va faire un truc. Normalement, vu que j'ai un lapin sur la tête, je dois sauter plus loin. Ah, j'ai un lapin dans un mur. Qui picotait du pain dur. Enfin, c'est une longue histoire. Voilà. 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 Pousse vers brun, viens voir. On va essayer de te monter, je sais pas si c'est comme ça qu'on fait. Eh hey, hey. Tagada tagada tagada. Tagada tagada tagada. Allez, on monte, saute. Je ne touche à rien là. Non. Au bout d'un. Tu sais nager. Tu sais nager de manière totalement abusive en plus. Non, mais c'est pitoyable. C'est. Mais what? Fidèle destrier, je suis pouce vert gris. Avec pouce vert brun et pouce vert blanc. Oui, moi je suis pouce vert. Non, vas-y, moi je suis pouce vert jaune. Cette incitation pouce vert, c'est honteux. Par contre, tu vas te diriger un peu où je veux avoir envie. Hein. Watch. Ok, pouce vert. Pouce vert. Hop, 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 hop. Un bandit. Tu peux pas avoir pouce vert gris. 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 Oui, mais le pouce vert gris, il est brun et il s'appelle pas pouce vert gris, ok. Je suis au courant. Oh. Eh, on avance. Tac-tac, 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 tac-tac. Attends, on va descendre de pouce vert gris. S'il nous laisse descendre. Ah. Eh, t'es un scorpion, toi. Oh, un petit chat. Tu manges pas de pommes, donc je suis désolé, je vais devoir te tuer. Je peux monter là-dessus? T'es trop jeune, c'est ça? Ils savent que je vais t'écraser? Purée. Ça fait quoi si j'essaie de dormir avec un lapin sur la tête? Ouais, je fais des expériences alors. Je fais des expériences avec des bébés fuck. Les filles crient au scandale et moi je leur dis fuck. Ceux qui n'ont pas la référence me prennent pour un dingue actuellement. Eh, c'est un rat ça, y'a pas de rat chez moi sauf des rats qui savent cuisiner. Dommage, t'aurais fait un bon pouce vert gris foncé. Voir noir, si tu veux. Suspense, est-ce que j'ai la classe? Eh, hey, je me relève avec un lapin sur la tête. Et ça ne choque personne. Ok. Non mais, il est juste génial, en plus verbin. C'est beau ce monde. Alors là-bas, il y avait Creeper Rose. Et Creeper Rose, il nous faut des poudres de Creeper normal. C'est le genre de truc qu'il faudra apprendre à crafter, les poudres de creep. C'est l'avenir. Hein. Je sais, on va partir à la quête de Creeper, ado de mon fidèle destrier. Qui n'est pas lui, puisque lui, il s'en fout de ma vie. Ok, c'est un rat qui m'a fait aussi mal que ça. J'espère qu'il a honte, la pouce verte. Non, non, pas y aller, pas y aller. Non, non, non. Non. Friend the creep, friend the creep, friend the creep. Oh, mais c'est friendly creeper. Ça va, friendly. Viens, on va attaquer des gens. Attaque l'oiseau de Twitter. Ah ah, on fait moins le malin. Eh ouais, moi
j'ai Friendly Creeper. Il fait pas grand chose hein, comme dégâts, je dois t'avouer. Voilà. C'est bon, tu peux arrêter. Non, tu peux arrêter. Merci. J'ai rien pour t'adopter. Tu veux t'acoquiner avec mon petit creeper? Acoquinez-vous. J'attends. Ouais. Eh, ça c'est pas moi. Il est où Pégase? Il est où pouce vert? Ah, il est là-bas. Enfin, pouce vert brun. Il est pas à moi celui-là. Il est bourré celui-là. Ah si, c'est peut-être le deuxième là-bas. Ah non, il me fait mal, donc il est pas. Eh, hey, tu vas faire mal au mien. Non, on va le tuer. Ok. On a deux poudres grâce à ça pour essayer de choper lui. Lui-ci. Ok, c'est qui le patron? Viens. Tu me suis? Bon, on va dire oui. Et toi, tu vas m'aimer aussi. On va s'aimer. Foiré. Crève. Voilà. Oh, t'es trop mignon. Mais tu seras mieux. Attends, tu manges des pommes? Bon bah alors non, tu seras mieux mort. Alors, on se calme maintenant. On se calme. Voilà. Oh, c'est mignon ce petit truc là-bas. Oh, c'est une petite brebis. Avec des cornes. Non, on se calme. J'ai vu des rayons laser là. Y'a pas de rayons laser dans la vraie vie. Toi par contre je t'aime vraiment pas. Oh, merci. Wow. Allez, crève. Oh. Ah non, il mange. Se calme. Voilà. Vous allez bien? Moi je me balade. Je ne sais pas, mais en fait le truc qui est génial avec ce mod, c'est que ça met de bonne humeur. Quand je joue à ce jeu, je suis content après. Hein. Ah, ils aiment vraiment pas ma présence, ces oiseaux. Faudrait que je les chope à la canne à pêche. Oui, on peut pêcher des oiseaux. C'est des méthodes ancestrales, etc. 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 tout, mais etc. tout. Mais. Oh. C'est cool ici. Mais ça marche très bien. La pêche au. La pêche au monsieur. Et si c'est un monsieur qui a la pêche. Ah. Il nous faudra un Pégase volant, mais c'est tellement rare que je sais pas si on en aura un moment. Là là là. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes cachées, genre des gens? Non, il n'y a personne de caché par là. Mais. Fais ça. Alors ce serait bien ce genre de moment que t'es le creeper qui m'est suivi et qu'il explose en boucle ici. Ça me ferait un farmer d'XP. Voilà. Mais c'est pas le cas, donc on va juste casser le spawner puisqu'on est un mec comme ça et se barrer gentiment sans faire de mouvement brusque. La la la.
Bon, allez, on va rentrer à la maison. On va aller chercher Pouce Vert Brun. Et nous nous rendrons dans la terre du milieu, la terre promise, la territoire. Voilà. Ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Oh, t'es mort. Eh. Oh, il y a un petit chat. Mais les chats, ils me détestent. Oh non, toi, t'es blanc et noir, t'es mignon. Je ne te tue pas. Non, je déconne. Mec, c'est qu'il y a totalement pas de cœur, genre, qui bute tout ce qu'il croise. Alors que non, j'ai une âme. Voilà. J'en ai pas eu comme ça sur ma tête. Oh, il est plus beau en noir. Ah, l'autre, il a été libéré. Je me suis dit, putain, si je peux faire une femelle. Une femelle. J'ai dit femelle, sachant que le mot que je pensais à la base, attendez-vous à quelque chose de badass, hein, c'était colonne. Voilà, femelle à la place de colonne. Il y a des gens comme ça. Il y a des jours surtout comme ça. Ça va, petit âne gris? Ou pouce vert gris, comme tu préfères. Allez. Bon, et bien, les amis, on va se rendre sur le toit de la Batmobile. Et on va se dire à tous à très bientôt. Aujourd'hui, je vous propose un truc. Vous disposez, évidemment. Hein, je ne ferai pas de forcing, parce que je m'en fous. Mais je trouve que ça peut être drôle d'essayer d'éclater le record de pouces verts. Allez, on va se donner des seuils. 3000, ce serait réussi. 5000, ce serait réussite plus plus, hein, c'est-à-dire wow, 5000 quand même. Et si on pète les 10 000, non, je vous dis pas ce que je... Ah, allez, au revoir. Eh, ça s'appelle être un connard, ça. Bon, hop là, F5, F5. Hop. Allez les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. On tente le record pour notre bonheur à tous. La paix dans le monde, tout ça, tout ça. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. C'était Yann Starblitcher. Oh. Non, non, moi je suis pas Yann Starblitcher. Moi je suis. C'était Yann Starblitcher. Oh yeah. Ah, c'est Pouce Vert Noir qui me stresse. Hein. En même temps, il m'a chié dessus. Non, de mauvais goût. Cette blague, on la censure. Non, non, on censure pas. Si on censure. Non, on censure pas. Écoute, j'ai dit qu'on censurait. De toute façon, je vais pas devenir schizophrène. Si, mais. Oh. Quoi? T'es pas devenu schizophrène? Bah si, il me parle tout seul, c'est que je suis devenu schizo. Non, tu l'as toujours été. What?